J'aimerais te parler de Steve. Oh oh, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Rien, je l'aime bien en fait. Oh, Iliana, tu commences enfin à te faire des amis et à t'intégrer. Te moque pas de moi. Mais un Avenger? Vraiment? Steve est différent, d'accord? Donc tu admires son... Son côté, on me l'a fait pas? Ouais. Il fait partie des bons. Mais va pas le raconter à tout le monde. C'est une sorte de flash mob? Je dois faire quoi au juste? Hé, hey, je peux te demander un service? Merci, Hunter. Les agents d'Hydra se croient tellement intelligents. Imaginez si c'était vrai. On aurait de gros ennuis. À bientôt. Hé, hey, Hunter, salut. Évitez de vous attirer des ennuis. Oh, partenaire en approche. Ça va te plaire. Noyau Gamma, mettons-nous au travail. Parfois, je m'impressionne moi-même. Je crois bien que Charlie a laissé un noyau fumant dans le couloir. Le troisième état de la matière, hein? Je sens l'énergie mystique qui grandit autour de nous. Donne-moi des nouvelles. Vous avez trouvé de quoi nous occuper? C'est un plaisir de vous aider, Hunter. Привет. Ça fait quoi de bronze? Tu as besoin d'un remontant? Rien de presse. Techniquement, je suis immortel. Même si je ne souhaite pas le... J'avais besoin. T'inquiète, je gère. Allons-y. Caretaker a dit... Petit entraînement.
prochaine. Je crois que Dahlia se cache parmi les Morlocks. Les Morlocks ? Des mutants qui vivent dans les égouts de la ville et qui refusent d'être associés aux X-Men. Il y a un campement de sans-abri à l'entrée d'un tunnel de Morlocks. Les vampires l'ont attaqué 3 fois cette semaine. Ça ne peut pas être une coïncidence. Tu penses que les vampires en ont après la petite ? Je l'ignore. La population la plus vulnérable de la ville est en train d'être décimée. Mutants comme humains, ils disparaissent des refuges ou en pleine rue. Les vampires s'attaquent à ceux qui ne manqueront à personne. Ceux qu'on ne remarque pas. Jusqu'à aujourd'hui. Venez-leur en aide et ouvrez l'œil. Il faut retrouver Dahlia. Je la cherche. Moi aussi. Et je n'aime pas ce que je vois. N'hésite pas de te relever. Pas de chance, mon pote. J'ai déjà vu ce genre de technique il y a des siècles. Ça devrait faire l'affaire. À ta face de mort. Faites vos adieux. Ça, c'était quelque chose. Que je vais baisser les bras. On dirait qu'ils ont appelé à l'aide. Même dans une ville aussi importante que New York,
Il y a des personnes qui sont laissées pour compte. Le manque d'empathie n'est pas propre à cette ville ou à cette époque. La société a tendance à rejeter les personnes différentes. Surtout celles qui possèdent des capacités hors du commun. Il faut peut-être éviter cela pour Dahlia. Tant que ça fonctionne. Tout le monde est prêt. J'en connais qui ont toujours rêvé de faire ça. J'invoque les éléments. Ça a dû demander de l'entraînement. Les éléments s'inclinent devant moi. Impressionnant. On nous surveille. Ne tente rien. Il ne faut surtout pas les effrayer. Chut. Ça va aller. Je vais te guérir. Dahlia ? Aurora ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis passée de voir à l'orphelinat, mais... Mais quoi ? Tu avais l'air en danger, et je voulais t'aider. C'est pas moi qui ai besoin d'aide. Regardez autour de vous. Je suis plus utile ici que dans votre joli manoir. Les Morlocks m'ont accueillie. Je fais partie de leur famille maintenant. Mais aujourd'hui, quelqu'un cherche à nous séparer. Je suis désolée. Non, vous mentez. Vous dites vouloir protéger les mutants, mais vous ne vous souciez que de votre institut. Et vous ne voyez pas les gens comme nous. Tu te trompes. Que s'est-il passé ici ? On a été attaqués par des créatures. On ignore ce qu'elles sont ou ce qu'elles veulent. La plupart des Morlocks ont fui après la dernière attaque, mais il y a beaucoup de blessés. J'ai besoin de temps pour les soigner. Que pouvons-nous faire ? Vous voulez nous aider ? Alors empêchez ces créatures de tuer ma famille. Ces vampires accumulent bien trop de victimes. Quelque chose de plus grave est à l'œuvre ici. Comme si la souffrance de ces personnes ne suffisait pas. Malheureusement, il y a toujours un dessein plus sombre dont on ignore l'existence. Au moins, nous n'avons pas le temps de nous ennuyer. Votre destin est scellé. Vous ne les voyez peut-être pas, mais vous avez de gros ennuis. Le pouvoir de la lumière. Ce sera rapide. Les légendes ont du vrai, de temps en temps.
dû m'y attendre. Les Morlocks, ils vivent ici, sous la ville. Pourquoi ne les ai-je jamais vus auparavant ? Les égouts abritent toutes sortes de créatures. Ils ont survécu en évitant d'attirer l'attention. Et à l'instar de leurs homologues qui vivent à la surface, ils sont rejetés par une grande partie de la société. Le monde moderne ne cesse de me décevoir. Je m'attendais à mieux. Mauvais choix d'adversaire, mon pote. Vous n'étiez pas de taille pour ce combat. Je vais vous montrer la véritable. Grossier, mais efficace. Je suis sûr que les Morlocks nous en seront reconnaissants. À leur manière. Dalia, c'est fini. Tu es sauvée. Merci, Ororo. Et tous les autres. On n'a pas l'habitude qu'on se soucie de nous. Tu es sûre que ça va aller ? Oui, vous inquiétez pas. J'ai soigné les autres. On va se cacher dans un endroit sûr. Dalia, tu n'as pas à rester seule. Tu pourrais rejoindre les X-Men. Merci, mais je suis pas seule. Je ne veux pas abandonner ma famille. Très bien. Si jamais tu as besoin d'aide. Oui, nous t'appellerons. Que la déesse veille sur vous. Sur vous tous. Tu ne te laisses jamais. Hunter, j'ai un service à te demander. Que t'arrive-t-il ? Tornade a l'air bizarre. Je l'avais jamais vu comme ça. Tu veux bien aller la voir ? Bien sûr, mais pourquoi moi ? Tu sais comme elle ce que c'est de diriger. Elle te voit comme son homologue, là où je serai toujours son élève. Je peux pas l'aider, mais peut-être que toi, oui. Très bien, j'irai lui parler. Merci. Oh, et lui dis pas que c'est moi qui t'envoie. Ça me fait penser. Il faut qu'on aille se faire une pizza en C4, Hunter. L'espace personnel est un concept qui t'échappe. Tu avais raison. L'abbaye est vraiment spéciale. C'est un bel endroit. J'aime bien venir ici quand ça ne va pas. La subtilité, c'est pas ton fort. Tu viens me parler de Dalia, c'est ça ? Dalia croit que tu ne te préoccupes que des mutants qui choisissent de rejoindre les X-Men. Ses paroles t'ont blessé. Pas vraiment. Mais elles m'ont poussé à réfléchir. Et l'introspection n'est pas toujours un acte facile. Je ne comprends pas. Après ce qu'elle a dit, j'ai repensé à la façon dont je traite mes élèves. Je ne crois pas avoir de préféré, mais... Si c'était le cas sans que je m'en rende compte,
En tout cas, je suis contente de la savoir heureuse et en sécurité avec sa nouvelle famille. Mais je m'inquiéterai pour elle tant qu'il restera des vampires. Je comprends. Les Midnight Suns sont ma famille et je me préoccupe moi aussi de leur sécurité. Ça a l'air bête comme ça, de s'inquiéter pour des gens dotés de pouvoir. Mais merci. C'est bon de savoir que je ne suis pas la seule. Je crois qu'il est normal d'avoir peur. Nos pouvoirs font de nous des cibles. Tu n'as pas tort. Nous sommes forts, mais nous ne sommes pas invincibles. J'aurais bien aimé t'avoir dans le coin quand j'étais ado. C'est la clé du commandement. Savoir quand intervenir et quand s'abstenir. Comment le savoir? Si tes camarades ne mettent pas le holà, ils te le font comprendre. Ça a l'air compliqué. Ça devient plus simple avec le temps. Merci pour cette discussion, Hunter. Les chefs doivent souvent assumer ces fardeaux seuls. Je ne suis pas une chef. Oh, je t'en prie, je dis ce que je vois. Le dis pas à Tornade. Comment ça s'est passé? Elle va bien? On a parlé. Je crois que je lui ai remonté le moral. Ah, quel soulagement. C'est gentil de t'inquiéter pour elle. Oui, oui. Il arrive que mon cœur de glace fonde un peu. C'est bon de te voir faire ami-ami avec Tornade. Comment vous savez que j'étais avec elle? Je sens son odeur sur toi. Vous connaissez bien son odeur? On a été... proches. Laissez-moi deviner. Vous ne m'en direz pas plus. Non. Que pouvez-vous me dire sur les Morlocks? C'est pas des mauvais bougres, tu sais. Personne n'a dit ça? Si, la société. C'est pas parce qu'ils sont pas normaux aux yeux des gens qu'ils méritent de vivre dans les égouts. Pourraient-ils rejoindre les X-Men? Oui, mais les Morlocks nous font pas confiance. Je leur en veux pas, ils se fient à personne. Vous aviez d'autres questions? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les Morlocks? Je n'en sais pas beaucoup plus que vous. Ce sont des mutants qui vivent sous les rues de New York. J'ai consulté le dossier du Shield à leur sujet. Ils ont l'air plutôt inoffensifs. Pourquoi le Shield aurait un dossier sur des mutants inoffensifs? Les groupes de mutants qui vivent hors du système sont un sujet épineux dans ce pays. Ça me plaît pas non plus, mais tant que la société n'aura pas évolué, le Shield sera obligé de garder un œil sur eux. Merci, Carole. Ça marche. Oh, c'est qui le bon chien? C'est ma Charlie à moi? On dirait que Dahlia a trouvé ça. Et dire qu'ils étaient obligés de vivre dans les égouts. Wow! Dahlia était toute seule pour défendre les Morlocks? Heureusement qu'on a débarrassé les égouts des vampires. Tornade est un bon mentor. C'est juste que... Il y a autre chose? Comment as-tu rencontré Dahlia? Je l'ai découverte grâce aux X-Men. Les pouvoirs des mutants se manifestent à un certain âge. Je suis allée la voir pour lui proposer de rejoindre l'Institut Xavier, mais elle a refusé. C'est la seule fois où tu as essayé? Non. La deuxième fois, son orphelinat m'a dit qu'elle s'était enfuie. Heureusement qu'elle a trouvé refuge au sein des Morlocks. Je n'avais jamais encore entendu parler des Morlocks. Ce sont des mutants à l'apparence particulière. J'aime pas trop les appeler différents, mais ils n'apprécient pas les X-Men. Différents? Certains Morlocks ont un corps gélatineux, d'autres ont des cornes sur la tête. Bref, comme je le disais, une apparence particulière. Crois-tu que les vampires en ont après Dahlia ou les Morlocks? Difficile à dire.
Je ne vois pas ce qu'ils pourraient bien leur vouloir à elle ou aux autres. Dahlia et les Morlocks sont des mutants. C'est sans doute la clé du problème. Il y a peut-être un lien, oui. Mais je préfère anéantir les vampires avant qu'ils ne puissent confirmer cette théorie. Non, c'est tout. Très bien. Qu'est-ce que c'est, Charlie? T'as trouvé quelque chose? On se ressemble beaucoup, toi et moi. C'est vrai. Nous sommes deux humaines au pouvoir extraordinaire. Je ne parlais pas de notre statut héroïque, mais de nos responsabilités de chef. Je ne me vois pas comme un leader. Ne sois pas modeste. Tu fais beaucoup pour les Midnight Suns. Je n'ai pas besoin de te rappeler qu'être à la tête d'une équipe implique de grandes responsabilités. Te sens-tu forcée de prendre certaines décisions par moment ? J'essaie d'écouter mon cœur et de faire ce qui est le mieux pour les Midnight Suns, sans négliger leurs besoins. Comme le font les grands chefs. On dirait que ça te parle. Peut-être. Au fond, je suis persuadée que l'on improvise tous en permanence, mais que l'on donne le change en se parant d'assurance. J'ai le sentiment que tu parles d'expérience, là. C'est fou ce que tu es perspicace. J'ai longtemps dû contrôler mes émotions, avant même de rejoindre les X-Men. Ça ne s'oublie pas comme ça. Qu'est-ce que tu entends au juste par « contrôler mes émotions » ? Je dois m'assurer de toujours savoir exactement ce que je ressens. J'ai des astuces pour garder la tête sur les épaules au cas où. Tu en as, toi ? Quand j'ai besoin de me recentrer sur moi-même, je parle à quelqu'un de confiance. C'est pas mal. Mais dommage qu'il n'y ait pas de psychologue de garde à l'abbaye. Ça nous rendrait bien des services pour ce qui est de notre santé mentale. Je glisserai un mot à ce sujet dans la boîte à suggestions de Caretaker. Demande-lui de faire de Charlie une chienne de soutien émotionnel. Ça lui vaudrait des friandises en plus. Je dois impérativement garder le contrôle. Si j'ai l'air sur mes gardes, ne le prends pas personnellement. Quand tu perds le contrôle, ça affecte tes pouvoirs ? On peut dire ça comme ça. En résumé, tant que je me sens stable, le temps et mon environnement le sont aussi. Je t'expliquerai ça plus tard. J'attends ça avec impatience. T'aurais pas vu une rampe dans le coin ? Ou au moins un bout de pierre à peu près plat, un minimum incliné ? Pourquoi faire ? Bah, je voudrais sauter par-dessus l'abbaye avec la Hellride. Pourquoi ? La question serait plutôt pourquoi pas ? C'est d'une logique imparable. C'est ça qui me plaît chez toi, Hunter. T'es une espèce de philosophe moderne. Mais sérieusement, dis rien à Caretaker. Je suis sûre que tu connais l'expression « second souffle », Hunter. Second souffle ? C'est lié à tes pouvoirs ? Non, mais ça aurait pu. C'est lorsque l'on éprouve un regain d'énergie alors que l'on était fatigué. Ça a l'air pratique. Et que comptes-tu faire de cette énergie ? Je vais garder un œil sur Dahlia et les Morlocks, pour m'assurer qu'il ne leur arrive plus rien. C'est ce qu'elle veut ? Elle veut que je garde mes distances, mais je peux veiller sur mes amis de loin.
Parker, tu vas pas le croire. J'ai trouvé une information. C'est quand vous voulez. J'ai demandé à Tony s'il avait des bouquins sur le chiffrement et... Je reste là si vous avez besoin de moi. Hunter traque sa proie. J'ai des opérations en attente pour vous. À bientôt. Pourrais-je vous demander un service ? Merci, Hunter. Oh, magnifique. Un talent inné. Du travail d'expert, Hunter. Je ne m'attendais pas à moi de la part de quelqu'un comme toi. J'ai commencé un nouveau programme d'entraînement. Super. Merci, Hunter. C'est fort peu, mais j'ai réussi à isoler quelques détails. Au revoir. Petit entraînement. Hydra ne viendra plus me chercher des noises. Je crois qu'il y en a pour tous les goûts. Fais ce que tu veux. Tu m'as apporté d'autres noyaux gamma ? Mal, hein ? Hein ? Vous avez une tâche à nous confier ? Est-ce que cela répond à vos attentes ? Donne-moi des nouvelles. Il est temps de passer au niveau supérieur. Très bien. T'en veux encore ? Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il y a toujours des choses à améliorer. Te casse pas trop la tête. Tu peux pas te tromper.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Allons-y. À plus. Nico et moi avons partagé un moment de complicité quand je lui ai parlé de ma période punk. C'était touchant. Et donc, vous voulez que je fasse quoi? Que je contacte Johnny Blaze? Sur la ligne spéciale Esprit de la Vengeance? C'est un peu l'idée, oui. Oh là, oh là! Je rigolais, les gars. Nous, on rigolait pas. Les bandes de Sithorak devraient permettre à la table miroir d'accéder au lien qui vous unit, toi et cet autre esprit de la vengeance. Avec un coup de pouce du démon qui vit dans notre forge. J'ai ajouté de l'aloès pour éviter les brûlures. Nos autres tentatives sont restées infructueuses. Nous aurons besoin de Robbie Reyes, ainsi que du Ghost Rider, si nous voulons trouver Blaze et la page. Bon, d'accord. Comment je m'y prends? Je me concentre sur Blaze ou un truc du genre? Blaze! Leurs esprits sont connectés. Ah ouais, sans blague. Tu ne peux pas fuir ton destin! Tu ne peux pas m'éviter! Ni Lilith, semble-t-il. Nous devons y aller, Hunter. Le parchemin de pouvoir ne doit surtout pas... Je m'en charge. Va voir ailleurs l'étincelle. C'était trop bien. Si un jour on m'avait dit que je devrais prendre en chasse Johnny Blaze... Tu ne t'y attendais pas? Je ne fais que ça, moi, chasser. Hunter! Tu me pousses dans mes derniers retranchements. Il faut à tout prix retrouver Blaze avant Hydra. Ne les laissez pas vous distancer. On doit lui reprendre le parchemin coûte que coûte. Ne reculez devant rien. Je m'en charge. Là. Parfait. Aïe, Hydra, bande de nuls! Vous êtes vraiment des idiots. Oh non, il va vraiment faire ça? Faire quoi? Accrochez-vous! Thank you.
encore une marionnette de viande, madame? Si vous tenez tant à cette page, venez donc la chercher vous-même. C'est tentant. Vraiment. Mais j'ai déjà promis à mes enfants le privilège de l'arracher à votre âme. Quelle âme? Bonjour, mère. Tu aurais pu mourir la tête haute, Johnny. Regarde-toi maintenant. Si Johnny Blaze doit souffrir, ça sera de ma main. Tant qu'il n'aura pas remis cette page à Lilith, faites ce que vous avez à faire. Sa corruption se répand, je le sens. N'étiez pas de taille pour ce combat. Je vais m'en occuper. Les ténèbres t'envahissent, Hunter. Mes forces d'antan me reviennent. Profane attaque. On dirait des cafards. En moi. Vous vous agenouillerez. Pas facilement. Ils suivent le même chemin.
Les serviteurs de Lilith ne possèdent pas d'âme qui puisse être jugée. Le seul lieu qui les attend, c'est l'enfer. Alors renvoyons-les chez eux, et vite. Vous. En chair et en os, gamin. Enfin, surtout en os. La page, Blaze. Cette fois, je ne serai pas aussi patiente. Ça tombe plutôt bien. Des sans-armes. Trop nombreux. Ils doivent flairer la page sur moi. Maudite soit ma mère. Les sans-armes se moquent bien de Lilith. Ou même de Kton. Ils servent qui, dans ce cas? Bonne question. Mais là, tout de suite, j'en ai une meilleure. Tu veux ça? C'est ce que vous voulez tous, non? Eh bien, prenez, la voici! Tenebris Ignis, Lux Tenebris. Attendez, il n'est pas en train de lire la page. Hein. Si, il la lit. Recule! S'il continue, ça va. Quoi est-ce par ça? Très loupé! Explosé. Ouais. Exactement. Je crois que t'as encore assez d'énergie en toi pour te battre, Johnny. Il fallait juste quelques encouragements de la part d'un vieil ami. On ne voulait pas l'inciter à lire le Darkhold. Parle pour toi. On aimerait bien en avoir un peu, nous aussi.
flamme de l'enfer. Nous détestons l'odeur du souffle. L'heure de la vengeance a sonné. Les sans-âmes ne sont peut-être pas puissants, mais leur nombre nous dépasse. Ne soyez pas présomptueux. On doit affronter les serviteurs d'une autre forme, comme si les Lilins ne suffisaient pas. Ça ne change rien pour moi. Il y a assez de place en enfer pour tout le monde. Vous avez eu une chance de... Votre mère vous abandonne. Entendez mon appel. De Lilith tombe à nouveau. Ces créatures sont plus une perte de temps qu'autre chose. Alors vous ne devriez avoir aucun mal à vous en débarrasser. Et vite. Le moteur a sonné.
chez ta mère. Cela me sera d'une grande aide. Ça ne change strictement rien, mais leurs camarades... Leurs assauts vont bientôt prendre fin. Mais ne vous relâchez pas maintenant. Je commençais tout juste à m'amuser. Ce sera rapide. Nous sommes ravis d'être de ton côté, pour une fois. Quelque chose. La lumière nous guérira. Merci. Impressionnant. On dirait que vous avez résisté à la tempête. Pour l'instant. Vous a
avez survécu. Je suis impressionné. On garde le contact. La classe. Quoi ? Faut admettre qu'il sait gérer ses sorties. Salut Hunter, quand t'auras le temps, rejoins-moi à la chapelle, ok? Tu vas rester ici ou tu vas... Tu voulais me voir? Tu vas pas me croire, mais on a réussi! Réussi quoi? Tu te souviens du premier témoignage de corruption Liline que j'ai trouvé dans le livre de Thoth? J'en ai un vague souvenir. Ça disait quoi, déjà ? Tu plaisantes, j'espère. Tu m'écoutes pas quand je parle ? Ah, d'accord. C'était l'histoire d'un pharaon de l'Égypte antique victime d'une folie sombre que seul un guérisseur itinérant a pu soigner. Ah, tu veux parler de l'homme qui a perdu la vie en le purifiant ? Oui, ça me revient, maintenant. Tu vois, tu m'écoutes, des fois. Bon, bah Magic et moi, on a enfin transcrit l'incantation de ce guérisseur. Et je suis pratiquement sûre qu'on peut l'utiliser pour libérer Wanda de la corruption de ta maman psychopathe. Je dois dire que je suis impressionnée. Vraiment ? Oui. Merci, Hunter. Ça me touche beaucoup venant de toi. Mais avant que tu m'accables de compliments, j'ai autre chose à te dire. Pour tout avouer, si le guérisseur est mort, c'est parce qu'il a été contraint d'absorber l'énergie maléfique en lui. Son corps ne l'a pas supporté. J'ai essayé de contourner le problème, mais les textes relatifs à la magie du chaos sont tous formels. La corruption ne peut être détruite. Elle doit trouver un réceptacle, ou bien un hôte. Donc la personne qui purifiera Wanda devra l'absorber aussi. Je l'absorberai. Vraiment ? T'as pas peur, genre, de succomber à ces ténèbres ? Les ténèbres de Lilith ne mourront pas. C'est ça, parce que ta bonté et ta pureté te rendent tout simplement invincible. Voilà. Enfin, au moins, t'es d'accord. Quand veux-tu t'y prendre ? Dès qu'on sera retourné dans le labo de Banner. Oh, et une dernière chose, écoute-moi bien parce que c'est essentiel. Il va falloir que tu apprennes l'incantation et que tu la récites telle quelle quand tu trouveras Wanda dans ce labo. Ce sera le seul moyen de la maîtriser. La voilà. Ego sum tenebris, et veniunt in domum suam iubet dominus. Ego sum tenebris, domun domini pre septa ior. Tu crois que t'arriveras à t'en rappeler, Hunter ? On dirait que je vais avoir pas mal de choses à préparer. C'est pour ça que t'es mon démon préféré. Tu ferais mieux de mémoriser l'incantation si tu tiens à la vie. Sans ça, je donne pas cher de ta peau. Oublie pas d'apprendre tes répliques, Hunter. Je plaisante pas quand je dis qu'on n'a pas le droit de se rater. Hunter, je tiens une théorie. Tu veux l'entendre ? Moi, ce que je pense, c'est qu'être un super loup solitaire, c'est un rôle très ingrat. C'est vrai, quoi ? T'as vu ce qui s'est passé quand Blaze a lu le parchemin à voix haute ? C'était un truc de ouf. J'espère que tu finiras par voir Blaze pour ce qu'il est vraiment, et qu'il ne sera pas déjà trop tard.
Eh bah, pas moi. Ce mec est une foutue légende. Y a pas de raison de chercher à le descendre. Surtout qu'on lui doit tous la vie. Quoi qu'il en soit, nous n'avons toujours pas récupéré le parchemin. Il nous le faut, si on veut pouvoir le détruire. Le truc, c'est qu'il a personne sur qui compter. Il est seul contre tous dans cette histoire. Il nous donnera pas un truc comme ça aussi facilement. Je pense qu'on devrait tous lui foutre un peu la paix. C'est toi qui mériterais qu'on te lâche les basques, Robby. Tu as beaucoup mûri depuis notre rencontre. Tu le penses vraiment ? Je le sais. Oublie Blaze et concentre-toi sur toi. Tu es capable de faire des trucs de ouf, toi aussi. Oh. J'en serais pas si sûr. Mais je me mets peut-être trop la pression parfois. Garde ton exigence pour Hydra. Voir Blaze en pleine action, ça m'a vraiment ouvert les yeux, Hunter. Comment ça ? Je suis vraiment fier d'être l'esprit de la vengeance, moi aussi. Ta voiture m'impressionne carrément plus que la moto de Blaze. Faut que je la bricole un peu. Elle s'est pris une bonne raclée dans le désert. À plus, Hunter. Il a quel âge, ce jeu ? Tout le monde ressemble à un cube. Banner se croit malin avec sa barrière démonique, mais c'est moi qui aurai le dernier mot. Ah, ce n'est pas une question de surenchère, Tony. Maintenant, si tu veux bien, je dois me concentrer pour permettre à Hunter de franchir la barrière. Qu'est-ce qu'on attend ? Que tu cesses de grommeler au sujet de Banner. Et plus sérieusement, j'essaie de trouver un moyen de protéger Hunter pour lui permettre de franchir la barrière. Ouais, c'est ça. Occupe-toi donc de tes tours de passe-passe, je vais réfléchir à un plan pour récupérer le parchemin. On peut pas le laisser dans la nature comme ça, c'est beaucoup trop dangereux. Ce ne sont pas des tours de passe-passe. Si seulement nous avions encore le Saint des Saints, ça aurait été l'endroit parfait pour cacher le parchemin. Sauf qu'il n'est plus là, et Banner continue de me provoquer, alors dépêche-toi de trouver des réponses. Hunter, est-ce que tu n'aurais pas un accélérateur gamma de rechange ? Sérieusement, quel héros d'antan se baladerait sans la meilleure des technologies gamma expérimentales au fond de leur poche ? Bien sûr, mais je la range dans mon pantalon gamma. Désolé. Oh, tu as un pantalon gamma ? Je suis jaloux. Vous n'avez vraiment rien de mieux à faire en ce moment ? On dirait bien que non. Là, par exemple, j'essaie simplement de trouver un moyen de percer la satanée barrière que Banner a mise en place autour du labo d'Hydra. Strange jure qu'il trouvera un moyen de percer le voile. S'il en est capable, génial. Sinon, autant qu'il laisse la place, tu crois pas ? La rivalité qui vous oppose à Strange est plutôt amusante. Mais il s'agirait de grandir un peu. Vous devez trouver le moyen de travailler ensemble. Tu te fiches de moi ? Je l'adore, le Toubib. Il est un peu guindé, certes, mais je le considère comme un frère. Je lui prête même mes peignes à barbe. Vous croyez toujours que l'accélérateur nous permettra de détruire le parchemin ? Je me suis penché sur les dossiers de mon père. Il avait de grands projets pour ce machin. Disons qu'à mon avis, mieux vaut ne pas se retrouver du mauvais côté de cet engin au mauvais moment. Vous croyez que votre père était mal intentionné ? Il l'a toujours été. Mais là... Je crois qu'il essayait de trouver un moyen de percer l'essence scientifique de la magie elle-même. C'est assez poétique, au fond. Les technologies douteuses de mon paternel vont mettre fin aux fourberies de Banner. Oubliez votre rancune, Tony. Imaginez le bien que vous pourriez faire à l'aide de cette technologie. Je ne peux pas me permettre de me laisser ronger par ma propre vengeance. Je comprends. Je n'ai pas envie de pleurer sur mon sort. Je dois apprendre à passer outre tout ça. Bref, en tout cas, je n'avance pas. Écoute, on va trouver cet accélérateur gamma, ramener Banner du côté des gentils, puis arrêter ta génitrice, et là, on pourra s'asseoir pour tailler le bout de gras.
J'ai un super extracteur de jus chez moi. On n'aura qu'à aller là-bas. Un extracteur? Oh, tu vas adorer. On pourrait y mettre tes pompes que ça marcherait. Bref, au boulot. Pendant que vous étiez parti pour votre petite mission, j'ai fait quelques progrès. On dirait que j'ai raté une rencontre intéressante avec Johnny Blaze. Cet imbécile de Blaze nous met tous en danger avec ses pitreries. Il s'est servi du parchemin de pouvoir comme un enfant brandit un sabre en bois. Je n'ose imaginer les monstruosités qu'il aurait pu libérer. Nous avons de la chance d'être encore en vie. Si tu ne lui avais pas forcé la main, il ne l'aurait peut-être pas utilisé, mère. Les hommes comme Blaze n'ont besoin d'aucune excuse pour justifier leur action. Et puis, ce n'est pas moi qui ai lancé les sans-âmes à vos trousses. J'ai déjà suffisamment à faire avec ta petite bande de super-héros qui essaie par tous les moyens de me mettre des bâtons dans les roues. Mais si en plus quelqu'un ou quelque chose réussit à mettre la main sur ce maudit parchemin... Misérable, tu oserais dire du mal de ton cher Darkhold? Le Darkhold est bien des choses, mais il n'est pas précieux. Ce livre a une volonté qui lui est propre. Il a servi et détruit l'âme de ceux qui pensent naïvement pouvoir le contrôler. Personne ne peut lui résister. Tu ferais mieux de m'aider à limiter les dégâts, ou il nous dévorera tous. Ce livre maudit a déjà corrompu ton âme il y a plusieurs siècles. Je ne renie pas le choix que j'ai fait. Je le referai 1000 fois s'il le fallait. Et j'espère qu'un jour tu comprendras. Je trouverai le parchemin de pouvoir et compléterai le Darkhold. Telle est sa volonté. Gardien secret, sorcier et bricoleur, ta soi-disant famille ne peut rien face à la tempête qui va s'abattre sur la Terre. Mais nous survivrons, mon enfant. Le seul Noctis nous réunira.